La península de Yucatán la podemos considerar un verdadero laboratorio para el estudio del turismo, por su magnitud, porque aquí se presentan casi todas las modalidades del turismo. En 2019, c'est plus de 25 millions de personnes qui sont arrivées à l'aéroport de Cancún, c'est-à-dire avant la crise du Covid. C'est une région qui s'est beaucoup urbanisée, beaucoup transformée. Il se da un rapidissimo processo de conurbation et de métropolisation. Petit à petit, ça va s'étendre le long du littoral, le long de la côte. Ça a transformé aussi l'arrière-pays, les espaces ruraux. Après, la zone hôtelière en soi, elle occupe pas énormément d'espace. Et c'est vraiment tous ces projets immobiliers de soutien ou secondaires à l'industrie touristique qui vont complètement envahir toutes les terres collectives des ejidos de la zone de Cancún. Entonces, el cambio en el 92 permitió privatizar los ejidos. On a bien un changement de paradigme finalement, où l'arrière-pays devient une attraction touristique basée finalement sur le maya. Son varios los sectores sociales que se apropian de la identidad y de la cultura maya para usarla comercialmente. Il y a une réflexion à avoir sur ce qu'on entend par alternatif. Qu'est-ce qui est alternatif dans le tourisme? Entonces creo que sí es momento de hacer una revisión seria porque son espacios productores y que fomentan la desigualdad social. En la ciudad de Mérida no se puede entender la gentrificación si no lo relacionamos con el concepto turismo y con la dinámica turística. Pueden haber muchos tipos de despojo, pero también nos estamos empezando a referir a un despojo de lo cotidiano, de lo ordinario, de las condiciones de vida.